L'éruption volcanique. Lors de l'éruption, les gaz contenus dans le magma s'échappent. Cela provoque des jets de lave qui se transforment en bombes volcaniques. Lors d'une nuée ardente, un mélange de cendres de lave peut atteindre 300 degrés et dévaler la pente très rapidement, comme un TGV à grande vitesse. Des gaz s'échappent sous forme de fumerolles. Il peut avoir des gaz toxiques comme le dioxyde de carbone. Les coulées de lave, c'est du magma qui se refroidit, qui s'échappe par le cratère ou par les failles.